Qui que vous soyez, quelles que soient vos lassitudes, vos découragements, quels que soient vos élans ou vos aspirations, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen. Oui, bienvenue à chacune, à chacun, que vous soyez ici chaque dimanche ou presque, ou bien plus occasionnellement ou de passage, que vous veniez ici depuis toujours, depuis quelques semaines, ou juste aujourd'hui en visite. Vous êtes chaleureusement les bienvenus dans cette maison de prière qui est aussi la vôtre. Nous sommes aujourd'hui le quatrième dimanche de l'Avent, vous avez vu grâce à Valérie et Henri, qui ont déplacé la table pour qu'on la voie, que nous avons allumé ce matin 4 bougies. Nous allons ce matin poursuivre notre lecture de l'Évangile à partir de l'Ancien Testament, puisque nous croyons que dans l'Ancien Testament aussi, on trouve quelque chose de l'Évangile. Et nous le faisons depuis le début de cette période de l'Avent dans le livre de Jonas. Nous arriverons ce matin au bout. Nous allons bien sûr chanter, prier, partager des mots et des silences, des présences. Nous allons partager une parole. Alors oui, bienvenue pour ce culte. Je vous invite à la prière. De grâce, mon Dieu, toi que mon cœur désire, hâte-toi, ne te dérobe plus. Apparais donc, ô bien-aimé, étends sur nous la tente de ta paix. Illumine la terre de ta gloire. Fais que nous nous réjouissions et que nous exultions par toi. Fais vite, bien-aimé, car les temps sont venus. Prends-nous en pitié, comme au jour d'autrefois, et viens nous visiter. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre premier chant, qui est le 254 et pas le 245 que nous chanterons plus tard dans le culte. Nous chantons les 3 strophes.
Je vous invite à la prière avec Augustin d'Hippone. Bien tard, je t'ai aimé, ô beauté si ancienne et si nouvelle. Bien tard, je t'ai aimé. Et voici, tu étais au-dedans et moi je te cherchais au-dehors. Tu étais avec moi et moi je n'étais pas avec toi. Elle me retenait loin de toi ces choses que tu as faites, qui pourtant sans toi n'existeraient pas. Tu as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as brillé, tu as resplendi et tu as dissipé ma cécité. Tu as embaumé, j'ai respiré et haletant, j'aspire à toi. J'ai goûté, j'ai faim et j'ai soif. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. Ce que je sais de toute la certitude de la conscience, c'est que je t'aime. Tu as touché mon cœur de ta parole et à l'instant je t'aimais. Le ciel et la terre et tout ce qu'ils contiennent ne me disent-ils pas aussi de toutes parts qu'il faut que je t'aime ? Et ils ne cessent de le dire aux humains. Qu'aimais-je donc en t'aimant ? Ce n'est pas la beauté selon la dimension, ni la gloire selon le temps, ni l'éclat de cette lumière amie à nos yeux, ni les douces mélodies du chant, ni la suave odeur des fleurs et des parfums, ni la manne, ni le miel, ni les délices de la volupté. Ce n'est pas là ce que j'aime en aimant mon Dieu. Et pourtant, j'aime une lumière, une mélodie, une odeur, un aliment, une volupté. Cette lumière, cette mélodie, cette odeur, cet aliment, cette volupté suivant l'homme intérieur. Lumière, harmonie, senteur, saveur, amour de l'âme qui défie les limites de l'étendue et les mesures du temps. Et le souffle des vents, et la dent de la faim, et le dégoût de la jouissance. Voilà ce que j'aime en aimant mon Dieu. Amen. C'est précédé par l'amour de Dieu et porté par notre amour pour lui que nous pouvons déposer devant lui nos limites, nos colères, nos déceptions, nos erreurs, tout ce qui nous habite et qui nous fait mal. Je vous invite à la prière. Berger d'Israël, écoute. Toi qui conduis Joseph comme un pasteur son troupeau, trônant dans ta gloire, révèle-toi dans ta splendeur. En face des tribus de ton peuple, Éphraïm, Benjamin et Manassé, souviens-toi de tes merveilles et sauve-nous. Oui, Seigneur, fais-nous revenir à toi. Tourne vers nous ton sourire et nous serons sauvés. Seigneur, toi qui es le Dieu des étoiles, jusqu'à quand seras-tu sourd à la prière de ton peuple ? Tu les as nourris d'un pain trempé de pleurs. Tu les as abreuvés de larmes. Nos voisins s'étonnent, nos ennemis éclatent de rire. Seigneur, fais-nous revenir à toi. Tourne vers nous ton sourire et nous serons sauvés. D'où nous vient cette crainte de te voir nous surveiller, épier nos moindres gestes et fuir comme la peste tout ce que nous te tenons caché. Tu n'es pas aux aguets de nos pas de travers, de nos bégaiements ordinaires. Tu es le Dieu de toutes les grâces qui jamais ne se lasse d'offrir son pardon.
Seigneur, que nous puissions voir ta face, que notre faute s'efface, que nous nous offrions tout entier à ton don. Que faudra-t-il encore pour que s'abandonne à toi nos cœurs, nos corps? Quand se tairont-elles les voix qui ne viennent pas de toi et qui toujours nous condamnent? Fais taire en nous ces voix qui ne sont pas de toi et qui nous engloutissent. Amen. Et je vous invite à chanter « La ténèbre n'est point ténèbre » qui est sur vos feuillets. Nous le chanterons trois fois. Et je vous invite à rester debout pour recevoir les paroles de grâce. Elles nous viennent par le prophète Ésaïe. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre, mais sur toi l'Éternel se lève. Tu tressailliras et tu te réjouiras et ton cœur bondira de joie. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur pendant la nuit. Ce sera l'Éternel qui t'éclairera nuit et jour. L'Éternel sera ta lumière à toujours. Amen. Et nous chantons « Ô ma joie et mon espérance » trois fois aussi. Il est au dos du feuillet. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Éternel, nous te le demandons, fais taire en nous les voix contraires à la tienne, celles qui nous soufflent le découragement, la défaite, l'envie de la mort. Fais retentir dans notre être à travers les mots anciens que nous allons partager. Ta parole vive, brûlante de vie et d'amour. Relève-nous de nos profondeurs. Réveille-nous de nos torpeurs abrutissantes.
Fais de nous des vivants, des vivantes. Amen. Ce matin, nous sommes le quatrième dimanche de l'Avent et nous arrivons à la fin de l'histoire de Jonas. Cette drôle d'histoire qui nous parle de nous et de Dieu tel qu'il veut être pour nous. Petit rappel des épisodes précédents pour se rafraîchir la mémoire. Vous vous souvenez que Dieu a appelé Jonas à porter sa parole à Ninive, la ville étrangère, ennemie, le symbole de la mauvaiseté. Jonas est parti à toute vitesse dans la direction opposée et de descente en descente s'est retrouvé au fond du ventre d'un poisson. De là, sa parole est montée vers son Dieu, remettant en circulation la vie possible à nouveau. Et recraché sur la rive, il est enfin parti vers Ninive. Et il a finalement porté la parole de Dieu aux Ninivites, les ennemis de son peuple, qui ont écouté cette parole. Ils l'ont écoutée à tel point que Dieu les a épargnés. Et voici maintenant la suite. Dieu renonça au mal qu'il avait parlé de faire aux Ninivites. Il ne le fit pas. Cela fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria le Seigneur en disant « S'il te plaît, Seigneur, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est pour cela que j'ai préféré fuir vers Tarsis, car je savais que tu es un Dieu clément, compatissant, patient et grand par la fidélité, qui renonce au mal. Maintenant, Seigneur, prends-moi la vie, je t'en prie, car mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Le Seigneur répondit, « Fais-tu bien de t'irriter ?» Jonas sortit de la ville et s'assit à l'est de la ville. Là, il se fit une hutte et s'assit dessous à l'ombre, afin de voir ce qui arriverait dans la ville. Le Seigneur suscita un ruisseau qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et le délivrer de son mal. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ruisseau. Mais le lendemain, quand parut l'aurore, Dieu suscita un ver qui s'attaqua au ruisseau et le ruisseau se dessécha. Au lever du soleil, Dieu fit intervenir un vent d'est étouffant et le soleil frappa la tête de Jonas. Il tomba en défaillance. Il demanda à mourir en disant « Mieux vaut pour moi mourir que vivre. » Dieu dit alors à Jonas « Fais-tu bien de t'irriter à cause du ruisseau ?» Jonas répondit « Je fais bien de m'irriter au point de demander la mort. » Le Seigneur dit « Toi, tu as pitié du ruisseau qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait grandir, qui est né en une nuit et qui a disparu en une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville, où il y a plus de 120 000 humains qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des bêtes en grand nombre. »
À quel moment est-ce que vous renoncez à collaborer avec quelqu'un, que ce soit dans un cadre professionnel ou dans un cadre associatif, par exemple dans l'Église? Est-ce que vous renoncez quand la personne refuse une mission et part en claquant la porte sans prendre la peine de s'expliquer? Ou bien quand elle vous dit qu'elle va s'en occuper mais ne le fait qu'à moitié et en traînant les pieds? Ou bien quand elle se plaint de la réussite de la mission parce que cette mission ne lui semble pas acceptable? Ou bien renoncez-vous quand elle se morfond dans cet état de plainte, malgré toutes vos mains tendues et toutes vos explications? Sans doute que dans un cadre professionnel, la première étape suffirait presque à rompre la relation de travail. Dans un cadre associatif ou en église, on est souvent un peu plus patient. Mais la deuxième ou troisième étape remettrait largement en cause votre collaboration avec cette personne. À quel moment renoncez-vous à tendre la main dans un cadre familial ou amical? Quand la personne s'embarque en pleine conscience dans une descente qui ne peut conduire qu'à une souffrance toujours plus grande? Quand elle se met en danger, voire frôle volontairement la mort? Quand la personne renonce à tous les appels et à toutes les mains tendues? Ou bien quand elle s'enferme dans une attitude boudeuse et négative? Quand sa mauvaise foi la fait se plaindre d'événements sans grande importance? Il est probable que dans vos relations affectives ou amicales, vous ne renonciez pas aussi vite que dans un cadre professionnel. C'est qu'avec nos amis, avec notre famille, on cherche d'abord à sauvegarder la relation le plus possible, parce qu'on veut le meilleur pour ses proches, parce qu'on les aime. Alors on ne renonce pas, ou en tout cas pas facilement. Et Dieu, à quel moment renonce-t-il dans cette histoire avec Jonas? Renonce-t-il quand il appelle Jonas et que Jonas s'enfuit? Non. Il envoie son souffle susciter une tempête et des marins insistants pour inviter Jonas à la prière. Renonce-t-il quand Jonas refuse et saute à la mer, choisissant une mort certaine? Non. Il envoie un poisson recueillir Jonas. Renonce-t-il quand Jonas ne traverse que la moitié de la ville pour annoncer la parole de vie? Non. Par la seule force de cette proclamation telle qu'elle est portée à moitié par Jonas, il retourne la ville entière. Renonce-t-il quand, devant le salut des Ninivites, Jonas s'irrite et se plaint de la bonté de Dieu, au point d'en faire une raison de choisir la mort au lieu de la vie? Non. Il l'interroge. Il fait appel à sa capacité de discernement et d'amour pour les êtres humains. « As-tu raison de t'irriter ?» demande-t-il. Cette question est un écho à celle posée à Caïn juste avant qu'il ne parte à la rencontre d'Abel et ne le tue. À Caïn, il avait demandé « Pourquoi es-tu irrité ? Et pourquoi ton visage est-il abattu ? Le péché est à ta porte, toi, domine sur lui. » Comme Caïn, Jonas se retrouve à un carrefour. Et comme avec Caïn, Dieu nomme ce qui se passe, il met des mots dessus, de la parole de vie. Il le porte à la conscience pour que Jonas puisse agir sur cette irritation, plutôt que d'être agi et englouti par elle. Est-ce que Dieu renonce quand Jonas s'irrite à cause de la disparition de l'arbuste et en fait une nouvelle raison de choisir la mort? Non. Il continue à interroger, à susciter la réflexion de Jonas. Il part de l'attachement de Jonas à cet être vivant qu'est le ricin, pour tenter de lui faire étendre aux Ninivites, pour tenter de ressusciter son envie de vivre. « As-tu raison de t'irriter contre le ricin ?» demande-t-il.
Est-ce que Dieu renonce quand Jonas s'enferme dans sa mauvaise foi et dans son désir de mort, quand il répond « oui, j'ai raison » Non. Dieu lui adresse encore une fois la parole, une parole qui invite à la compassion, à la solidarité et aux soins des autres humains, fussent-ils des ennemis. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Dieu a vraiment de la patience. J'en ai pas autant et mes enfants pourraient vous en témoigner. Une telle patience nous indique au moins que la relation entre Dieu et Jonas n'est pas de l'ordre d'une relation professionnelle. Dieu n'est pas un patron qui cherchait quelqu'un pour remplir une mission. Si c'était le cas, si la mission comptait plus que celui qui l'exécute, Dieu aurait renoncé à Jonas et trouvé un prophète moins récalcitrant. Ce qui compte ici, ce qui explique la patience infinie de Dieu, c'est son amour infini pour chaque être humain, pour les Ninivites et aussi pour Jonas. Car que cherche Dieu dans toute cette histoire un peu folle ? Assurément, il cherche à changer le cœur des Ninivites, à les remettre sur un chemin de vie. Mais pas seulement ça. Peut-être même pas d'abord cela. Il cherche aussi à remettre Jonas sur un chemin de vie. Car Jonas s'est engagé sur un chemin de mort. Par trois fois, il choisit la mort. Quand il saute à l'eau, au début de l'histoire, et quand il demande deux fois à Dieu la mort. Qu'est-ce qui conduit Jonas à choisir la mort ? Si on regarde l'histoire attentivement, on s'aperçoit que ce qui conduit Jonas vers la mort, c'est l'écroulement de son image de Dieu, de sa compréhension de ce que Dieu doit être. Jonas estime que Dieu n'est pas juste en sauvant les Ninivites au lieu de les punir pour leurs nombreuses fautes, dont la moindre n'est pas leur cruauté envers le peuple d'Israël. Jonas estime que Dieu se trompe en choisissant la compassion et la vie pour eux, les ennemis d'Israël, plutôt que la mort. Comme Caïn estimait que Dieu était injuste en acceptant l'offrande d'Abel plus que la sienne, Jonas estime que Dieu est injuste en choisissant de faire vivre les Ninivites plutôt que de les punir. Et cette injustice est tellement douloureuse que Jonas, comme Caïn, choisit la mort. Pourquoi une telle douleur ? Parce que derrière cette idée que Dieu est injuste en faisant ceci ou cela, il y a l'idée que Dieu est un distributeur de punitions et de récompenses. Caïn et Jonas se conforment à une règle pour obtenir la récompense. Ils mettent sous le boisseau tout ce qui n'entre pas dans cette direction pour pouvoir rester dans l'ornière de cette loi qu'ils fantasment. Cela structure tout leur être, toute leur vie. Alors au moment où cette image de Dieu s'écroule, c'est toute leur structuration intérieure qui s'écroule. C'est le sens de leur vie qui est balayé d'un souffle. Tous leurs choix semblent dévalués. Toute leur compréhension d'eux-mêmes, du monde et de Dieu est fracassée. On ne quitte pas si vite la logique de toute une vie. Ils se sont trompés, pensent-ils, et donc, ils ne valent rien. Cela fait infiniment mal. Et dans une telle souffrance, comment choisir la vie ? Caïn avait choisi la mort pour son frère. Jonas choisit la mort pour lui. Mais avec Jonas, comme avec Caïn, Dieu ne renonce pas. Il reste là, tout proche. Il manifeste que cette souffrance bien présente n'est pas nécessairement la fin. Il cherche la relation, il interroge, il suscite la réflexion, la responsabilité. Il cherche à restaurer la vie. Car malgré les apparences, il y a de la vie, il y a de l'amour et de la compassion chez Jonas. C'est bien lui qui a prié ce magnifique psaume du chapitre 2
qui se termine par ce fameux « Le salut vient de l'Éternel ». Et c'est lui qui s'irrite maintenant que le salut soit venu aussi de l'Éternel pour les Ninivites. Jonas, comme nous tous, est plein de ses contradictions, de ses ambiguïtés. Il a en lui des abîmes de ténèbres et des chemins de lumière. Et tout au long de l'histoire, Dieu ne cesse de susciter cette lumière, de l'attiser, de l'appeler à passer au premier plan, à grandir, à briller. Pour cela, il renonce à ses plans les uns après les autres, mais il ne renonce jamais à Jonas. Il ne renonce pas à l'aimer, à l'appeler à choisir la vie. Et vous l'avez entendu, l'histoire s'arrête suspendue, ouverte. Elle est comme un point d'interrogation qui nous interroge, nous aussi. Que faisons-nous de cet appel sans cesse renouvelé de Dieu? Que faisons-nous de son invitation à la vie? Il vient à notre rencontre, il se manifeste, il appelle à la vie. Est-ce que nous choisissons de vivre? Parfois, comme Jonas au chapitre 2. Parfois non, comme Jonas au chapitre 4. Et quand nous choisissons la mort, la promesse qui nous est faite, c'est que Dieu, lui, ne renonce pas à choisir la vie pour nous. Dieu ne renonce jamais à nous. L'histoire de Jonas, comme tant d'autres dans la Bible, nous parle d'un Dieu qui ne renonce jamais à aimer d'un amour que ne rebute aucun refus, aucune fuite, aucune crucifixion, aucun choix de mort. Elle nous parle d'un Dieu qui est le Dieu de Jonas et le Dieu du guerrier ninivite et le Dieu du marin de Tarsis et le Dieu de la petite fille de Ninive et aussi le Dieu de l'univers et le Dieu du poisson de la mer et le Dieu de la graine de ricin et le Dieu du ver. Oui, cela donne le vertige, c'est vrai. Et l'histoire de Jonas nous parle d'un Dieu qui aime tant les êtres humains qu'un jour, il s'est fait homme entièrement, dans un tout petit fragile, dans la mangeoire d'une étable, dans un coin perdu du monde. Amen. Il y avait un homme qui disait des choses
tellement extraordinaire et qui faisait des choses tellement étonnantes que les gens qui le rencontraient ne pouvaient s'empêcher de lui demander qui il était. Une fois, il a répondu « Je suis le pain de vie ». Une autre fois, il a répondu « Je suis la vigne ». Lui qui aimait tant les repas disait ainsi qu'il se faisait lui-même nourriture pour notre être. Les repas étaient en effet l'une de ces choses étonnantes qu'il faisait. Avec lui, chaque repas était étonnant. Pas parce qu'on y partageait des mets raffinés, rares ou coûteux. Non, on y mangeait les choses simples de la vie de tous les jours. Pas parce qu'on y tenait des conversations de haute volée sur des sujets recherchés. Non, on y parlait de tout et de rien, de la vie comme elle vient, de ce qui la rend belle et terrible. Ce qui rendait ces repas étonnants, c'était les participants, les participantes, et les manières d'être. Ils mangeaient avec tout le monde, sans distinction, hommes, femmes, enfants, juifs et non-juifs, purs et impurs, religieux et non-religieux, repentis ou inconscients du mal commis et subi. Chacun, chacune était le bienvenu à sa table, sans condition. Il faut le répéter, chacun, chacune était bienvenu à sa table, sans condition. Il mangeait avec les petites gens comme avec les plus fortunés, avec les prostituées, les collecteurs d'impôts, les menteurs, les occupants, les incroyants, les traîtres. Jamais il n'a renoncé à inviter à sa table celles et ceux qui étaient là, tels qu'ils étaient. Et cela, c'était vraiment étonnant. Et ça l'est toujours. Oui, quand Jésus disait « Je suis le pain de vie » ou « Je suis la vigne », il n'ajoutait rien. Pas à condition que ceci, ou bien seulement pour celles et ceux qui sont comme ça. Je suis le pain de vie, je suis la vigne, pour tous et toutes, pour chacun et pour chacune. Et nous n'avons pas fini de nous étonner de cela. Je vous invite à vous lever pour chanter le 279, les quatre strophes. Thank you.
Jésus accueillait chacun, chacune, sans condition. Et cela nous invite à prier pour d'autres que pour nous, sans condition. Éternel notre Dieu, en ce quatrième dimanche de l'Avent, alors que le froid et la nuit semblent vouloir prendre toujours plus de place, nous voulons penser devant toi à celles et ceux qui sont dehors, qui n'ont plus de lieu où poser leur tête, hommes, femmes et enfants errant sur les routes, ici et ailleurs. Ouvre nos yeux pour que nos regards soient tendresse et justesse. Éternel notre Dieu, en ce temps d'incertitude et de division, nous voulons déposer devant toi ce qui en nous se hérisse face aux attitudes que nous ne comprenons pas, face aux propos qui nous vont sortir de nos gonds. Ouvre nos intelligences pour que nous puissions discerner le chemin de vie dans toutes ces tentations de mort pour nos relations. Au moment où nos hôpitaux débordent, nous voulons rester proches de celles et ceux qui attendent avec inquiétude un diagnostic, de celles et ceux qui souffrent, de celles et ceux qui entourent un proche en fin de vie. Ouvre nos cœurs pour que nos gestes et nos mots portent la présence et l'amour là où la maladie et la mort imposent le silence et la solitude. Alors que nous nous préparons à fêter Noël, chacun chacune à notre façon, donne-nous la force et la tendresse nécessaires pour prendre soin de celles et ceux qui nous sont confiés particulièrement en ces jours de fête et que nous te nommons dans nos cœurs. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles que Jésus nous a laissées, qu'il a enseigné à ses disciples, qu'ils l'ont enseigné à leur tour à d'autres, qu'ils l'ont enseigné à d'autres, jusqu'à nous qui nous tous la disons ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Avant de partager ce pain et ce vin, je voudrais vous faire quelques annonces. Vous avez entendu comme moi que les conditions d'accès à beaucoup de choses changent, y compris celles d'accès au culte. Donc pour les cultes de Noël qui sont annoncés au dos du feuillet, tant la veillée que le 25 décembre ou le 26 décembre, nous devons maintenant passer à ce qu'on appelle communément la 2G. Donc seules les personnes vaccinées ou guéries pourront accéder à ces cultes qui seront filmé, sauf erreur, donc vous pourrez retrouver en ligne si jamais vous ne pouvez pas nous rejoindre. Mais voilà, nous nous conformons à ces nouvelles directives. Ce qui ne nécessite pas de passe sanitaire, en revanche, c'est l'office du milieu du jour du 23 avec Elisabeth Schenker. Et puis, ce soir, j'ai failli oublier, ce soir, vous voyez que tout est prêt, ou presque, il ne manque que les musiciens, il y a l'oratorio de Noël à 17h. Voilà, il me semblait bien que j'oubliais quelque chose. Il me reste à vous dire, pour les annonces, un grand merci à chacun, à chacune, pour votre présence à ce culte qui le rend un culte célébrant, vivant. Merci en particulier à celles et ceux qui vous ont accueillis, qui ont préparé cette table, qui ont préparé cette cathédrale.
et merci à K.O. qui porte ce culte au-delà de notre assemblée ce matin. Je vous invite à vous lever pour chanter le 245, les trois strophes, chant pendant lequel sera recueillie votre offrande. Voici comment les premières générations chrétiennes racontaient la dernière nuit de Jésus quand il a partagé son repas avec ceux qui tous allaient d'une manière ou d'une autre le trahir ou l'abandonner. Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, le rompit et rendit grâce en disant « Prenez, mangez ». Ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et la leva en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Le pain que nous rompons est communion au corps du crucifié. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au Christ ressuscité. Éternel, si tu n'envoies pas sur nous ton esprit, il n'y aura ici qu'un peu de pain, un peu de vin, qui ne suffisent pas à nourrir. C'est ton esprit qui fait de ce pain et de ce vin pour nous des signes de ta présence dans nos vies, aujourd'hui, sans condition. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le 247. Les quatre strophes. Thank you.
Chacun, chacune, est le ou la bienvenue à cette table sans aucune condition. Et personne n'est contraint de s'en approcher. Dieu se rend présent partout, aussi dans la communion silencieuse, si cela est plus juste pour vous. Je vous invite donc à vous approcher par l'allée centrale. Nous allons procéder en défilé, pardon, je précise. Je vous invite donc à vous avancer dans l'allée centrale en partant des personnes qui sont le plus au fond de la nef. Je vais distribuer le pain et puis vous pourrez prendre le vin ou le jus de raisin sur la table et les reposer sur les plateaux prévus à cet effet. Venez, car tout est prêt.
Éternel, merci pour ce que nous avons reçu de toi dans ce repas partagé, pour ce que nous avons reçu individuellement et pour ce que nous avons reçu ensemble, comme communauté de celles et ceux que tu as appelés à témoigner de toi en Église. Que cet appel et ce don nous fortifient et nous libèrent. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'envoi et de bénédiction. Quelqu'un près de toi se tient en sentinelle. Plutôt que toi, il s'éveille en ta demeure. Il comprend toujours mieux que toi tes rêves et tes secrets. Il voit celles et ceux que tu croises et qui ont mal, même si tes yeux sont fermés. Il pardonne à ta place celles et ceux que tu juges. Il tremble quand tu joues les gros bras. Il veut quand tu crois que rien ne vaut la peine. Il entend le cri qui s'étrangle dans ta solitude. Si tu connais son nom, appelle-le. Et si tu ne le connais pas, appelle-le plus fort encore. Lui te bénit et te garde. Il fait rayonner sur toi sa lumière. Il t'accorde sa grâce. Il tourne son visage vers toi et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.